Salut tout le monde, aujourd'hui je vous prends avec moi pour aller à la piste de Cointe pour faire la préparation du 10 km que je ferai ce dimanche-ci. Donc vous allez me suivre tout au long de l'entraînement et je vais un peu vous expliquer ce que je ferai. Voilà, tout de suite. Donc voilà, ici on est bien arrivé à la piste de Cointe. Donc aujourd'hui j'ai 2 km au tempo et puis j'ai 10 fois 1 km à faire. Ce sera alterné 1 km allure 10 km et puis 1 km plus facile en 3,25, 3,30. Donc voilà, on va voir quelques vidéos pendant la séance. Voilà, d'abord je vais m'échauffer une dizaine de minutes puis on sera parti. Donc la séance ici voilà est terminée, ça s'est bien passé, c'était assez chaud mais ça s'est bien passé, donc j'ai fait ça en fait sur la piste pour montrer peut-être ici à quoi. Donc c'est pas une piste nette de 400 mètres, donc j'ai fait tout au GPS, donc c'est vrai que c'est assez différent, ça varie assez. Mais c'est pour ça que j'utilise souvent mon capteur de puissance ici, Stride, pour avoir une idée aussi de précision dans l'entraînement. Donc je visais 365-370 watts. Et 2,50 km. Et donc, hop, c'est bien passé, je vais te montrer des tours. Donc, c'est mon premier 2 km, donc j'ai fait 2,47. Donc, c'était 1 km allure 10 km, 1 km plus lent. Donc, 2,47, 3,23, 2,48, 3,21, 2,50, 3,12, 2,41, 3,10, 2,40, 3,14. Donc, voilà. Donc je pense que les 2,40, ça vaut plus 2,45, 2,50 parce que c'est vrai que c'est assez difficile avec le GPS. Donc voilà, ça s'est bien passé. Je suis content de la séance, on verra maintenant dimanche, je vais récupérer. Et voilà, merci d'avoir visionné.